Agis bien avec moi-même qui observe ou là pour me vivre, pour me faire tout ça ou dit me faire. L'ouvre j'aime pour me voir belle bagaille qui la la loi là. Télé Louange a invité au moment ça pour prendre rendez-vous avec Bibla. Bibla, c'est parole mon Dieu. Moi c'est ça Bibla dit moi. Moi gain ça Bibla dit moi gain. Moi qu'a fait ça Bibla dit moi qu'a fait. Je dis à moi allaiter l'esprit moi, nan moi et sens moi yo, yo sensible à parole mon Dieu. L'aime li ou tant des paroles là, m'applique au l'envie. Moi pas jamais mon encore, m'a changé pour tout temps. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est toujours avec même plaisir là, même détermination et même joie chaque fois que je connais que nous prenons rendez-vous ensemble, Bible en main, pour une chita au pied du maître. Parce que l'un chita au pied du maître là, il y a une formation, il y a une correction là-bas nous, et la vie n'est pas foutue, même gens. Merci parce qu'on là, merci parce qu'on vraiment fait tout effort pour le rendez-vous là. Et comme vous réalisez que je ne dis pas pour compte encore, moi j'ai un invité vraiment très très spécial qui est de passage dans le canton et nous voulons profiter au maximum pour gagner son monde qui gagne en pile dans Diakotli pour partager avec le peuple de Dieu, avec nous. Nous comptons gagner une fois de plus. Pasteur Inès, Docteur Inès, Maître Inès, bon, nous n'avons pas quitté le fait que c'était la servante Inès, etc., etc. Mais nous comptons pour l'émission sans encore pour nous, ensemble avec nous, et nous proclamer que présence mon Dieu, capable d'accompagner nous, nous allons passer de très, très, très bons moments ensemble au pied du maître. Pasteur Inès, saluez tous amis, auditeurs et auditrices, téléspectateurs, un peu partout à travers le monde. Nous saluons, Pasteur Guy, nous saluons Mise en Onde là, nous saluons tous les téléspectateurs et nous disons que c'est un bonheur pour nous capables, dans grand rendez-vous, ça, répondre positivement et nous déclarer à Dieu seul soit la gloire. Amen. Gomba Mba dit auditeur, moi-même avant, nous avons un long parcours dans l'ALEA, quelquefois, travail comme ministre finance, ou même de relations publiques, quelquefois vice-président association, ou toujours dans relations publiques, et une belle association qui c'est l'Association des leaders évangéliques d'Haïti. C'est ça. Et c'était pendant la période, c'était vraiment très, très bon moment. Marou, tu es président, les Sam, tu es ministre finance. Et aussi, bah, ouais. Alors, à faire ministre la semaine ça en Haïti, il y a un peu le problème. Oui. Et il dit que déclaration politique, politique générale, là, non, c'est différent. Hein? Non, c'est pas parlé de Marie ou tes président, il s'agit de l'ingénieur, pasteur d'Orsainville, Joseph, mon époux depuis 39 ans. Yeah, pas ça pour me dire c'est quelqu'un vraiment humble qui a humilité toujours à demander si bon Dieu t'a fait humble comme ça. Bon, monsieur, que le Seigneur lui l'a fait mouiller dans la dimension ça. Non. Eh bien, pour entrer dans. Et généralement, en tant que chrétien, nous lisons dans un Corinthien, dans plusieurs passages. Et là, nous regardons dans Matthieu, et dans les Jésus entré à faire ministère. Premier bagage que le Seigneur a utilisé. Il fait gros retraite pour annoncer, pour former tout disciple foule. Et l'homme est tridimensionnel, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Il y a un bagaille qui paraît un peu flou quelquefois, les gens parlent d'être spirituel, ils disent un tel pas spirituel, un tel pas spirituel, il paraît un peu flou. C'est qui ça, quelqu'un qui est spirituel? Comment Pasteur Inès comprend ça? Comment interpréter ça, quelqu'un qui est spirituel? Merci. Moi, je connais que si je voulais vraiment parler de la vie spirituelle, il faut que moi, basé, est-ce que c'est la vie spirituelle de grand mounio, de jeune yo, de timounio?
Mais dans la généralité, la vie spirituelle, puisque en pile l'autre monde qu'on élaboré sur ce sujet ça, et que la vie spirituelle doit porter sur des réflexions, enfin d'autres aspects de la vie, comme la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie familiale, mais là c'est de la vie spirituelle au palais, mais quand même li entre dans package, bah on est d'accord. Yes, yes, yes. Et vous êtes d'accord avec longtemps que qu'on a traité la vie spirituelle nous était dans package. Et parce que nous qu'on dit OK, si nous voulons parler de la vie, nous dit que différents types de vie, nous dit que la vie spirituelle lui-même, ça qui relève là, il relève de l'esprit, c'est-à-dire de la ressemblance avec Dieu, c'est la vie spirituelle. Mais puisque Dieu est esprit, et elle est donc cette vie caractérisée par la rencontre avec Christ. C'est la vie spirituelle. La vie spirituelle. C'est la relation d'amour, toujours croissant. Parce que l'on parle de la vie spirituelle, ou pas qu'à parler de lui sans... Ben, ou statique. Pas, non, il n'est pas statique. S'il est campé, il n'est pas spirituel encore. Non. Dans le package là, il est sorti, il était dans l'autre niveau. Alors, relation d'amour toujours croissant, nous dit Lié, c'est donc l'expérience de la présence et de l'aide du Saint-Esprit continuellement dans la vie d'un être humain. C'est ça, la vie spirituelle. Pendant tout passé, l'homme nous rencontre avec Jésus. Oui. Toujours, parce que même toujours prend et temps pour m'expliquer que la vie chrétienne, c'est la formation continue. Absolument. Tout le temps, parce que là, Jésus dit... D'un chrétien. Oui, un chrétien. Oui. Gimbaga, tout le temps, il y a la privilégie, il y a la pensée. Mais c'est surtout à travers. Et la parole. Faut chita sur la parole. Sur le banc. L'écoute de la parole. Allez, c'est 17 ans. Oui. Faites de toutes les nations les disciples. Pour les disciples, faut chita, faut attendre. Faut étudier, faut suivre. Ça, mettre la vie. Oui. Et puis, l'Esprit dit, enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Très bien. Ça, c'était l'ordre qu'il bat avec Apotio, tout le monde. Et puis, moi-même, déduis que n'importe qui qui vient dans l'école maintenant, il faut mettre d'accord tout le temps, il faut progresser, il faut avancer. Il faut chita dans l'école maintenant, oui. PhD, gauche à droite. Je dis, bon, je vais au sommet. Non, non. La vie spirituelle n'est pas statique, elle est vraiment progressive. De temps en temps, il faut après renouveler. C'est même bien, là où on dit, moi, rempli du Saint-Esprit, ou pas, on n'y rempli du Saint-Esprit, on joue. Sauf qu'à dire ça de vous-même, ou beaucoup assurer de ça, c'est de la parole. Hein? Exactement. C'est la parole proclame, la parole enseigne. C'est sauf pas partie de la parole, ou pas qu'à dire, moi, rempli, non. Etc. Mm-hmm. Et ça me toujours, quand je suis sur ta petite, je me dis, au cas prier pour le monde, pour m'a dit libérer de mon bagage quelconque. Mais pour le rester libéré, il faut le rester accroché à la parole. Absolument. C'est le Christ qui dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais comment les libérer, c'est avec la parole. C'est-à-dire, si je comprends très bien, pour mener une vie spirituelle, c'est qui ça lié? Qui tactique, qui ça pour mettre en application dans la vie? D'accord. D'abord, nous voulons dire que pour mettre en application, bon, nous avons demandé mise en ordre là. Projetez pour nous Matthieu 16, verset 26. Ni plus ni moins, mais réponse là. Matthieu 16, 26, pour mener une vie spirituelle, ou tout au moins l'importance de la vie spirituelle. Matthieu 16, 26, dit voilà, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait-il un homme En échange de son âme. Il faut sauvegarder, il faut garder, il faut maintenir son âme, c'est-à-dire gagner le monde avec son comportement lié par fil conducteur dans source là. La vie spirituelle, comme nous t'ai dit, que c'est importance, c'est gagner le monde entier. Parce que servirait-il à un homme de gagner? Comment gagner? Pourquoi gagner? Il faut gagner pour pouvoir rester en harmonie. Mais comment? On le fait que par la puissance, d'après la parole. Et les richesses,
si c'est des richesses qui ne sont pas des richesses pour plus tard, qui peuvent être utilisées dans le futur, tout ce que vous pouvez avoir comme richesse, que vous avez gagné, donc tout serait vain. Que servirait-il à un homme de gagner l'éternité s'il lui arrive de perdre son âme? Voilà l'importance. Et c'est vraiment très bien. Et le Seigneur, utiliser nous comme des partenaires, lirer nous comme des partenaires. Oui. Et ça qu'un bâche en goût même pour titre, pour position. C'est toujours dit que le grand pasteur est arrivé, c'est beaucoup de ma petite, je suis pasteur, comme je suis petit pasteur, etc. C'est le grand berger, le grand pasteur, il est là. Il est bon. Et puis, il est bon également. Yeah. Et mais c'est extrêmement important, l'envie chrétienne, équilibrée, ces gens qui ont rempli le cœur. Il y a un verset que moi-même, son petit bijou, moi-même, c'est des versets à moi-là. Et c'est Salomon, le sage, qui a dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il a dit la vie, quoi, maintenant, est-ce qu'on remplit le cœur, la vie, avec la parole de Dieu? Est-ce que aussi un livre, un Bible, pas un porte-livre, est-ce que son Bible qui est ouvert, que le monde est capable de lire? Eh bien, tout de suite, on penche sur la fenêtre de. Caractéristique même de la vie spirituelle ou sous fenêtre là. Mm-hmm. Bon, est-ce que mettre ça moi approche Dieu? Alors oui, les caractéristiques de la vie spirituelle, c'est tout d'abord la consécration. Yes. C'est ensuite la prière. C'est la persévérance. Pour capable vraiment d'accord que la vie spirituelle ou les penche, les coller, les accoler. Accrocher. Il faut que Oka dit, je suis dans la consécration, je peux. Mm-hmm. Un petit moment glisser, mais mettre-moi à redresser. Et que moi, kembe pour la prière, puisque la prière nous dit dérivée, enfin, de la parole, sujette, enfin, de la parole, il faut que pour gagner caractéristique d'envie ou disons vie spirituelle, il faut avoir une vie consacrée. Il faut rester dans la prière. Et il faut que vous vivez dans la persévérance. Puisque vous êtes en transit sur la terre, si vous voulez parler de vie spirituelle ou pas parler d'équilibre, consécration, prière et persévérance, cherchez toujours où pourquoi entrer dans la vie spirituelle. Juste, tu as mis un petit bémol dans la musique là. Parce que nous-mêmes à Télé-Louange, nous voulons responsabiliser chaque citoyen, chaque chrétien. Oui. Même parler de consécration, nous parlons de Washita, dans l'église 24/24, fait 6 pour 6, tout le temps, ou bien prier 52 jours, ou bien on va chercher à le mettre, meubler l'esprit, ou à le travail, ou qu'à consacrer pendant le travail, ou son monde qui consacre, ou pas mélanger. Non, Jean, son premier dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il a dit, méditer, ruminer par là. Ou pas dire responsable. C'est bon Dieu responsabiliser l'homme. L'homme créé, lui mettre dans le jardin, lui dit, il faut travailler. Parce qu'en pile fois, on dit, c'est péché qui mène le travail, qui fait travail. Non, avant péché, bon Dieu, tu responsabilises l'homme, il faut travailler. Il crée le jardin. C'est ça, je voulais mettre un petit bémol pour ne pas dire, parce qu'il dit, pour mener une vie spirituelle, il faut toujours la consacrer. Dans la tête, pour nous consacrer, c'est rester là, ou dans la prière, constamment, enfermé pour dans l'église. N'importe quel côté où vous êtes capable de prier, Jean-Paul dit, prier sans cesse. Tout côté où vous passez. On y a un potim à entrer dans le sujet que moi aimais, hein, quoi. Étape de la vie spirituelle. Waouh! Donc, là où potim, pour faire dire ça, étape de la vie spirituelle là, tout d'abord, c'est relation avec Dieu. Mais c'est Éphésiens 1er, verset 13, mise en ordre là, fait téléspectateur, ouais ça. C'est relation avec Dieu, d'après Éphésiens 1er, verset 13. Yes. Éphésiens 1er, verset 13. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà où gain ça comme ou lever pied ou monter escalier si que ou mettez le troisième marche là ou casser donc. Ouais. Donc relation avec Dieu d'après Éphésiens 1er 13 en lui. En Christ, en Jésus. Christ Jésus. En la parole. En celui qui était au commencement.
qui est tout au long de la vie, qui sera toujours là, toujours là. En lui, vous avez la vie, mais il faut s'accrocher pour maintenir, pour développer, pour traiter relation. C'est donc en permanence. Hein? Yes. On n'a pas dit consacrer en permanence, mais relation. Depuis fil la cassé, si vous pas faire réparation, donc ça c'est lui qui fait d'ailleurs. Yes. C'est le technicien de la réparation des relations avec lui-même. Il faut la communion avec Dieu. Il faut aussi savoir souffrir pour Dieu. Et aussi la croissance spirituelle, moi qu'on aurait mis en pile, moi qui t'ai élaboré, moi qu'on aurait mis ça. Non, je disais au capilla, oui. Non, la croissance spirituelle, la Bible dit que il y a pas bâti bébé banane bouillie avec poisson gros sel. Non. La Bible dit ou bâti bébé lait. Lait. Ça veut dire à un moment X ou doit apprendre le, enfin tu as dit béaba de la parole. Mais il faut que ou croître. C'est-à-dire croissance là, faut grandir. Et pour relation avec Dieu, pour qu'un pour harmonie, pour communion avec Dieu, il faut que ou grandir. Ou grandir, c'est ça que la Bible les croissance spirituelle. Mais qui genre comme nous te traiter en jouant sujet prière, c'est par la persévérance. Persévérance. Persévérance dans la foi. Et par sa conviction. Bon, ou capable bon chrétien tomber levé, mais ça pas qu'à faire en permanence. Non. Ou qu'à tomber, l'essentiel, ou tomber. Mais l'essentiel, c'est pas arrêter à terre. C'est l'élever, ramasser force. Donc la persévérance, là, tomber, à, de vous tomber, ou persévérer dans la foi, ou à lever. Donc ça veut dire que croissance, ou, c'est pas du jour au lendemain, la fête tout au long de la vie. Tout au long de la tout vie. Tout au long de votre vie avec Dieu. Tout au long de votre relation avec Dieu. Tout au long de votre communion avec Dieu. Tout au long de l'entretien. Nous t'as dit ça vraiment, intendance, la vie où c'est où. Avec. En un mot, docteur, pasteur Inès, un monde qui a mené une vie et chrétienne équilibrée, c'est un monde qui a vécu selon la parole. Gloire à en Dieu. Accord avec la parole. Baratue. Mais au coin n'aime pas ta et n'a pas si j'ai manqué si m'ta fini émission ça parce que et pour tellement gain chapeau mais même pas prêt à prendre tout pour un petit parti mais je dis à là non pardon sous plateau télé l'orange me connaît que non seulement on va former monde on va aider monde spirituellement là mais physiquement la santé tout gon tout une gamme de produits chita un paquet de temps pour l'école et puis on va utiliser le niveau ça tout. Oui. Dis-nous comment pour monde qui besoin service ou qui besoin compétence ou comment yo capable joindre qui ça pour faire comment pour rester en contact avec vous. D'accord. Merci mon révérend. En tant que ethnophytothérapeute chercheur, moi déclarer que la santé, l'avenir de la santé est dans la santé naturelle. Et la santé naturelle parallèlement à la santé conventionnelle, nous dit santé naturelle et santé conventionnelle, c'est pour nous capables de dire la médecine naturelle et la médecine institutionnelle, si on s'arrête là. Dans la santé phytothérapie, qui est complétée par la massothérapie, par la nutrithérapie, c'est-à-dire l'équilibre naturel que la Bible bat nous dans Ézéchiel 47, verset 12 là, nous rendons compte que tout le long de la vie, quand nous allons à l'école, nous demandons, nous, semaine ça, par exemple, nous avons fait formation un peu partout, nous sommes fait formation dans 13 pays de l'Afrique, nous faisons tout week-end ça ici dans Boston, nous allons dans New York, côté que, bon, c'est 25e anniversaire de Vision Missionnaire Mondiale également, et pasteur a réuni, Kay pasteur l'aîné, sous Flatbush, côté nous allons faire pour eux formation en phytothérapie. La phytothérapie, c'est ni plus ni moins, c'est soigner ou soigner les autres à l'aide des plantes selon un ordre divin. Ézéchiel 47, verset 12. Mais qui ça nous fait? Nous rendons compte que 3000 ans avant Jésus-Christ, il y a la massothérapie. Nous avons travaillé avec les Maasai, son tribu en Afrique. Mais la caille, nous en Haïti, nous avons parlé de nous parlons pour Maasai. Et même j'en ai une tribu créée comme ça, tout en tribu.
C'est le fait de toucher le corps, de réharmoniser. Même si, par exemple, vous voulez parler, bon, chaque monde doit avoir un massage selon cal, doit recevoir une séance de massothérapie selon besoin colli. L'autre monde sont orthothérapie que le besoin. Yon l'autre. Et pendant dit ça, qui téléspectateur, l'autre dit orthothérapie, ça veut dire quoi? Orthothérapie, par exemple, moi prends pied ou t'es glissé longtemps, ou a souffri longtemps, douleur, faut pas jamais qu'à comprendre ça. Le que moi fait un examen pour avec la main. Je me rends compte si je dois faire l'orthothérapie, c'est-à-dire redresser les pieds. Okay. Il faut toujours souffrir avec douleur. En sensothérapie, quand il y a mal, je parle avec vous, je me rends compte que son bail moral. Il y a une harmonie qui doit être faite en corps et l'esprit. Mais si vous me parlez de massothérapie, nous allons entrer dans la massothérapie suédoise. Quand nous allons entrer dans l'esprit, nous allons retourner dans la Bible. Dans la Bible, oui. Nous parlons de la massothérapie californienne. Non mais yo de tout ordre, yo en oui, pile. Si me fait ça, moi connais plus que m'entrer dans package là et c'est cerise tout sous gâteau phytothérapie, c'est prend des trois monde qui souffrent de douleur. Si pour question de nettoyage intestinal, cure detox, nous venons avec la tisane miracle, la tisane de l'hysope, psaume 51 verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Mmh. C'est donc une plante purificatrice de la Bible, l'hysope. Et nous, alliés avec Moringa et Vetmeyer de l'Académie de recherche de Washington, déclaré que la plante du siècle, c'est le Moringa. Alors nous, pas parler de tout ça, ah ouais, Moringa non, fait. Mais produit nous à base de Moringa, plante purificatrice de la Bible, l'hysope, et toute autre gamme de écorce, racines et feuilles de la forêt africaine et haïtienne. Ou abjoindre la tisane miracle, c'est pour hypertension artérielle, c'est pour H. pylori positif, c'est pour hernie hiatale, c'est pour question rénale, c'est pour prévention question prostate. Alors, nous pas qu'à kembo dans tout, mais seulement yon moun pas de vivre sans la tisane de l'hysope. Ou ap jwenn aba diabète, nous rendons compte que faute pas nous-mêmes de négliger l'ordre ancien des choses, nous tomber dans une situation nous pas qu'à gérer. C'est la Bible qui te dit c'était naturel. Eh ben en Haïti moi ça, moun yo vann maï au lieu de manger maï à fait avec aransor, yo vann maï qui gagne tout ça qu'il a donne pour corps et a acheté cornflakes. Mm-hmm. Le cornflakes qui n'est ni autre chose qu'un maï déshydraté. Ou vann sor gen ki bon pour acheter ça pas bon. C'est le fait qui t'est aransor, qui t'est mouru, qui t'est toute bagaille qui sorti dans la mer ou qui bon pour corps ou manger jambon. Ou manger ou comprendre ou qu'on y a mesdames yo a souffri avec thyroïde ou en pile mesdames qui gon gros cou ou rele goite n'a tourné avec l'ordre ancien l'ordre mais ancien. Oui l'ordre mais ancien est-ce qu'on capable faire ça pour pas parler de réveiller Lazare on pas parler de lui nous seulement dit son tonique pour le corps li bon pour toute bagaille ou pas prendre parti dans corps pour quitter pour moun yo pas seulement penser que réveiller Lazare c'est seulement pour le Lazare du corps du troisième pied. Non, oui. Alors, le réveil Lazare, c'est pour tout le corps. Tout le corps. C'est pour question prostate, c'est pour question diabète, c'est pour question rénale, c'est pour question, toute question réveil Lazare, son tonique, enfin, complète pour corps, pour tout le monde. Nous ne pas parler de 39 produits certifiés, nous gagnons, mais dans la gamme, nan, cerise sous gâteau, c'est la massothérapie. Suspendre souffrir avec douleur, ou pas acheter pommade pour toute forme de douleur ou lotion ou savon, mais pour une séance de massothérapie. Prends un conseil de nutrithérapie. Et puis. Nous tellement bien bien pour nous dire, pour nous rester en contact avec vous et avec l'équipe qui est oui. Avec vous, c'est la sœur Ruth Saint-Louis, c'est 857-312-38-18. La sœur Ruth, c'est 857-312-38-18. Moi-même,
Zamir, Paula, au capable relèm tout. Responsable de comité de soutien 52, de partout, parce que l'Afrique gagne non tout, oh, la France gagne non, yeah. Les 13, bon, moi, on a tout comité de soutien de la santé naturelle tout au long de la vie. Pasteur Guy, faut dire, puisque vous connaissez, ou responsable de tout 13 comités de santé naturelle que n'a prôné, que n'a projeté, que n'a porté dans les coins les plus reculés de la terre. C'est vous ça. Parlez pour le comité bostonien, oui. Mais il faut parler pour ça la France, il faut parler pour ça Canada, il faut parler pour sous 13 pays de l'Afrique. Oui. Vous et puis pour être en contact direct avec Dr Inès, c'est 509 37 65 12 92. 509 376 5 1 2 9 2. C'est un Canadien, c'est moi ça. Et puis, depuis que nous en contact avec moi, et puis nous sommes en contact avec Dr Inès. Dr Inès, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Ouais. Mais avant d'aller, nous avons béni le peuple là. Et ouais, non seulement on peut comment pour manger, comment on réussir, mais nous connaissons surtout, c'est spirituel, c'est bon Dieu. Jean-David dit, il sait de quoi nous sommes formés. Gratitude. Père Saint, merci. Merci de nous avoir réunis autour de cette table. Pas pour parler de politique. Mais pour parler de politique de santé, pour parler de politique spirituelle, yes. Pour parler de politique de réussite, pour parler de politique dans vous-même ou ces chefs-là. Yes. Nous voulons dire merci parce qu'on apprend nous, pour nous consacrer, pour nous sanctifier, yes. Pour nous avoir envie de prière, pour nous avoir connaissance de ta parole, pour nous rester équilibrés, c'est vous seul qui a fait pour ça, yes. Pour nous. Prends chaque auditeur par la main. Toucher dans leur pensée, dans leur esprit. Seigneur, quand tu es là, rien ne manque. On se rappelle bien qu'aux noces de Cana, quand le vin venait à en manquer, puisque tu avais été invité, yes, tu avais donc donné le vin de meilleure qualité. Yes, pour cela, Père, nous comptons sur toi, pour que tu puisses bénir notre télévision. Seigneur, bénis tous ceux qui, à un titre ou à un autre, nous écoutent, nous voient, passent sur cette mission maintenant. Et qu'ils se sentent concernés par ta parole. Yes, guide, garde, oriente, dirige, bénis, fortifie, sanctifie, Père. Et surtout, sécurise-nous dans l'esprit, la pensée, l'âme et le corps. Père, nous comptons sur toi et nous te prions. Au nom et au mérite précieux de Jésus, à lui seul soit gloire, honneur et majesté. À ton serviteur, le pasteur Guy Thomas, sa famille. Et toute la communauté d'être fortifiée et bénie dans le nom de Jésus, notre divin sauveur. Amen. 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 Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, c'était un pile plaisir pour nous être ensemble avec vous. Pas oublier, rejoignez-nous dans la famille de Télé Lourange. Et vous connaissez que Jean, proverbe que l'a dit, les oiseaux parlant la guerre, les voix et plumes s'est décalée. L'évangile prêché, tout côté, vous connaissez participer. D'accord? Et ce qu'a fait jeunesse à belle, même s'ils font grand monde, fait-le. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous remercions pile. Restez accrochés à tantôt. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci encore, merci. Pasteur Inès. Merci également, Bishop. Merci. Où se suivre, rendez-vous avec Bibla. Rendez-vous avec Bibla, c'est une courtoisie de l'église missionnaire de la communauté haïtienne située au 100 Tempo Street Somerville, Mass 02145. Et de l'église évangélique quadrangulaire de Tabar 41, numéro 3, Port-au-Prince, Haïti.